Les partisans du gouvernement ont convenu que ces exercices militaires sont nécessaires pour montrer la force de l'armée vénézuélienne. D'autre part, l'opposition a critiqué ces exercices. On rapporte que 6 personnes ont été tuées lors d'un affrontement entre des militaires vénézuéliens et un groupe armé de la Colombie présumé illégal. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a déclaré, et je cite, « La plupart des Vénézuéliens sont prêts à se battre et à donner tout ce qu'ils ont pour défendre le pays, peu importe les conséquences. »